Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on se retrouve, on est le vendredi 1er juillet. Il était 7h30 quand j'ai commencé à terminer sa blague, il est 7h31. Donc Joshua est à l'école. Je vais parler deux secondes pour prendre mes vitamines. Donc voilà, Joshua est à l'école. Moi, c'était pas la grande forme hier. J'ai dû prendre de la morphine. Ça reste très exceptionnel. Là, ça faisait 3-4 mois, je pense que j'en avais pas pris. Ouais, ça, je peux en prendre, hein, mais il faut que ce soit, ça reste exceptionnel. Mais là, j'étais vraiment crevée, j'étais vraiment à bout. Et ce soir, je vais essayer de surélever un peu le matelas et puis de mettre mes pas de contention pour dormir. J'espère que ça va m'aider. Enfin bref, ce matin, je suis en meilleure forme. Ça m'a fait du bien de dormir. Donc le choix, hein, il est déjà à l'école, hein, monsieur, super tôt. Voilà, on couche à 20h, entre 20h, 20h30 au plus tard. Et ouais, il veut toujours aller à la garderie tôt, rester tard à la garderie. Pourtant, c'est pas fou de faire des activités avec lui, de jouer avec lui, de faire des jeux de société, de sortir et tout. Voilà, il m'emmène faire du cerf-volant, du foot, du tennis, tout ça. Mais bon, je crois que c'est un enfant qui est tellement sociable, qui aime tellement être avec les autres enfants que. Bah, c'est ça en fait. Je pense que le jour où il aura un petit frère, une petite soeur, peut-être qu'il va. Bah, qu'il pourra moins aller à la garderie, j'espère. Mais c'est assez fou, quoi, parce que pourtant, bah voilà, on n'est pas. Je veux dire, quand il rentre de l'école, le soir, on n'est pas sur les écrans et tout, on fait des trucs avec lui, mais. Enfin bref. Donc là, le programme de la journée, c'est pour moi, je vais aller mettre des lessives, parce qu'on a l'âge de Franck. Comme j'avais passé une semaine bien fatiguée, j'ai rien fait en lessive, tout ça. Faut que je plie une linge, je vais en profiter pour trier les vêtements trop petits de Joshua. Je sais qu'il a un pantalon trop petit, donc je sais à peu près lesquels pantalons sont trop petits, mais je sais vraiment lequel est trop petit, je vais me fier à la longueur de celui-là. Parce que là, c'est bon, c'est la fin de l'année scolaire, tous les pantalons qui manquent ça à la cheville, on enlève. Voilà, je vais commencer peut-être à emballer pour les cartons. Je pensais mettre, si William a déjà mis ses vêtements de la commode dans notre chambre, donc je pense que je vais mettre les vêtements de Joshua dans la commode. Comme ça, on pourra peut-être s'attaquer au démontage de son armoire. Parce que là, le problème, c'est que Joshua, on va essayer de déménager ses affaires ce week-end, une partie. Et en fait, il va partir en déménage. Il faut que je demande à William si on peut vous expliquer, si ça n'est que nickel. dès jeudi soir, bah, ou vendredi, quoi, après la fin de l'année scolaire. Donc voilà. Donc je vais arrêter de blablater là et je vais aller faire mes trucs. Je crois que je vais prendre un deuxième verre de jus de fruits. Parce que j'ai encore faim, entre guillemets. Bon, je vous reprends. Il est à peu près 9h. 9h19. Je viens de me poser dans mon lit. J'ai fait vachement de carton et tout. J'ai vachement avancé. Bah, j'ai surtout trié, comme ça, je suis assez posée. Mais j'ai vachement bien d'avancer. Du coup, on refait un tour ce soir. Je pense qu'on se posera un peu cet après-midi pour vous expliquer un peu plus de choses avec William. Là, je suis en train de manger, entre guillemets. Hein. Voilà. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Moi, je me repose. Regardez ce qu'on a à emballer. Il y a ça aussi. Et ce qui est sur la table, c'est la lave. Bah oui, bah forcément. C'est dégueulasse. Bah oui. Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce qui se passe dans la semaine suivante. Donc, on est le mardi. On est combien aujourd'hui? 5? 5 juillet, il est 8h30. Je suis allée à l'école et je suis allée faire un autre truc. Je vais en profiter pour montrer un peu sa chambre qui a bien changé. Voilà, il a resté ça. Là, moi, elle est partie. Mais il reste juste sa petite table. Et du coup, son matelas est parti. Voilà, pour jusqu'au dernier jour. Donc, du coup, voilà, on avance bien dans le déménagement. La chambre, tout est bien vide aussi. Je peux vous montrer parce que c'est un peu le bazar. Forcément, on déménage, c'est le bazar dans tout l'appart. Et du coup, là, le. On vous expliquera cet après-midi à quoi on se posera pour vous expliquer c'est le pourquoi du comment. Et je peux déjà vous montrer un peu que là, il n'y a plus rien de ce côté-là du mur. Donc il n'y a plus le boulis, il n'y a plus la commode, le portant à vêtements. Donc voilà. Là, moi, je vais dormir un peu. J'ai quasiment pas dormi cette nuit. Il faisait beaucoup trop chaud. Je n'ai pas voulu allumer le ventilo pour pas embêter William. Et voilà. Je vous dis à plus tard.
Bon, nous revoilà dans la suite de ce vlog. Est-ce que ça a déjà perdu peut-être 2 secondes dans le début du vlog, je pense. Je sais pas. Donc voilà, on voulait revenir pour vous parler un peu du pourquoi, du comment on déménage. On va pas vous donner beaucoup d'informations. Tout ce qu'on va vous dire, c'est... tu veux dire ou... De quoi? Du déménagement. Oui, mais de quoi? Sur le déménagement. Tu veux? Donc on reprend, parce qu'on a eu un équipe encore. Ouais, mais on peut... Il voulait faire du suspense et moi je vais pas compris ça. Enfin bref, du coup tu veux dire? De quoi? Bah... Suspense. Bah, tu dis, je dis. Je sais pas moi. Bon, je dis, elle va dire. Du coup, là, la première phase de nos déménagements, c'est qu'on va habiter chez mes parents pendant quelques temps, en attendant d'avoir notre nouveau logement, donc on n'en dit pas plus. Donc voilà, là, c'est pour ça que le déménagement a déjà commencé, parce que c'est chez mes parents, donc on peut... en fait, on stocke tout dans leur... Mes parents, c'est une très grande maison, donc on stocke tout dans leur salle à manger, nos affaires, et comme il y a assez de chambres, il y a vachement de chambres dans leur maison, donc on a une chambre, voilà, je sais pas, sa chambre, nous, on va avoir notre chambre. Donc voilà, du coup ça va pas être trop loin de là où on va avoir le prochain logement, donc du coup Joshua fera déjà son entrée dans son école où il restera en fait. C'est pour ça qu'on a fait les choses comme ça, qu'on va chez mes parents entre temps pour que Joshua n'ait pas à faire une entrée scolaire dans une autre école. Et je change de travail et pareil. Bon, on revient après une pause rigolade parce que William a fait une gaffe. J'ai juste dit ce qu'il fallait pas dire. Enfin bref, donc du coup, tu disais que pour ton travail c'était pareil, c'était au même pas moment. Loin. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, de toute façon, oui, on voulait donner notre préavis rapidement aussi parce que on n'en pouvait vraiment plus de cet appartement, que ce soit au niveau voisin, au niveau vulgaire. On est sous comble et en fait, les débuts de canicule, il fait une chaleur pas possible donc. Bah oui, mais en fait, dès qu'il fait 21 dehors, à l'intérieur, c'est invivable. C'est vrai, en plus, c'est ça. Ouais, dès qu'il fait 21, il fait aller au moins 20, 28, 29, voire 30. Ouais. C'est pour ça, c'est voilà, on avait vraiment pas envie de passer tout l'été ici. On aurait eu la construction, on aurait tenu un an de plus, voilà, pour la construction, mais là, on n'a aucune utilité, donc voilà. Donc voilà, pour ça fait en fait dans le tournée assez le Velux. Et du coup, voilà pour les petites nouvelles. Donc du coup, demain, on va passer une super journée. On a un beau programme, ça va être chouette parce que du coup, on va fêter la fin de l'année scolaire et puis le passage de construction de Joshua, donc on va se faire une bonne petite journée. Et il y avait quoi d'autre à dire? Oui, du coup, Joshua va chez mes parents direct jeudi soir, parce que lui, sous sa chambre, est déjà, comme je vous ai montré ce matin, est déjà tout bêtement paquet. C'est pour ça qu'on peut se permettre que sa chambre soit déjà paquet, parce que voilà. Et autre information, pour la PMA, on en parle de façon. Hein. Oui. L'IAC4 a échoué. J'ai fait mes prises de sang ce matin. C'est ça que j'étais partie faire ce matin. D'ailleurs, j'ai une belle trace. Donc, prochaine étape, la FIV. Voilà, donc on a déjà le rendez-vous de pied avec le médecin pour faire le point, tout ça. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va être. Elle avait anticipé. Bon, ouais, je le sentais pas du tout au bout de 4 IAC. Je veux dire, là, je me faisais plus d'espoir et tout. Je suis quand même dégoûtée. On a quand même pleuré. Bah, j'ai quand même pleuré. Toi, t'as pas pleuré. Mais moi, j'ai quand même pleuré cet après-midi et tout. Mais voilà, parce que bah, ça fait chier, quoi, c'est fatigant et tout. Et puis ça fait quand même plus de 2 ans maintenant qu'on essaie d'avoir un bébé. Donc c'est. Voilà, c'est. Tous les traitements, ça, c'est fatigant. Et donc voilà, du coup. Échec. Mais bon, voilà. Après, de ce que nous a dit la gynéco, pour elle, la FIV, il n'y a pas de souci. Pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Oui. Oui, il n'y a pas y a aucune raison que ça ne marche pas. Même là, déjà, enfin... Bah, l'IAC, c'est vraiment une vraie mystère que ça ne marche pas, en fait. C'est un coup de chance, quoi. Après, ça peut être des fragmentations d'ADN, des trucs comme ça, des trucs hyper compliqués, machin, mais... Pourtant, on a fait des tests ADN tous les deux, donc je pense qu'on aurait des problèmes. Je sais pas du tout ce qu'ils ont testé, ils nous ont pas dit ce qu'ils avaient testé sur nous, donc... moi, j'avais fait 19 tubes de sang, toi, t'avais fait 6, je crois. 4, 5, 6. 4, 5, je crois. Pas tant que ça, encore. Ouais, mais ils avaient fait déjà vachement de tests, donc je sais pas. Donc après, je crois qu'on a déjà été testé pour tout ce qui est truc d'ADN, machin, truc, donc je sais pas trop. Enfin bref, voilà pour les petites actualités dans nos vies. Du coup, demain, on revient et on va vous filmer notre journée, ça va être chouette. Et voilà. Et on va couper les types de jeux. Oui, on va couper un peu les cheveux du jour. On va voir. Normalement, on va faire. On va lui ouvrir les. Pour qu'il puisse voir un peu les yeux. Ouais. Hein? Pour qu'il puisse un peu voir les yeux, c'est ok. On s'est compris.
Voilà. Donc du coup demain ça va être chouette. Et du coup on retrouve bah demain dans mon nouveau vlog, n'hésitez pas. Ah, on a oublié de parler de ta chaîne. Mais tu sais con, pourquoi tu m'en parles pas? Parce William a ouvert que... sa chaîne YouTube, il y a zéro vidéo dessus. On va vous mettre, je vais vous mettre quand même une image, là faut que je fasse un truc, je vais me mettre au milieu quand même. Ouais, attention, avec le nom de sa chaîne, mais pour l'instant elle n'est pas trouvable dans les recherches, je pense parce qu'il n'y a pas de vidéo, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et du coup ta chaîne s'appelle Oui Loco. Oui Loco. Et du coup oui les locaux, parce que loco ça veut dire fou en fou espagnol. En espagnol et puis ça. Ça... Bah comme on moi, a galéré à trouver une chaîne et puis c'est vrai que c'est Somultico, Willoco, ça se rapproche et puis, voilà. puis ça... C'était pas trop mal. Puis que je suis un peu voilà. Barré sur les bords des fois. Deux fois. Donc voilà, si vous voulez suivre les aventures aussi de William. Ah. Et à savoir ce que... Il y ressemble plus à rien lui après sa journée d'école. Ouais. Et à savoir aussi ce que vous voulez voir comme chose sur ma chaîne puisque après c'est une chaîne, on va dire... sur la famille, sur un peu de tout, sur même sur mon travail, sur donc après ce sera à voir quel thème seront je vais parler aussi du handicap ouais, du point de vue du mari aussi ouais. Je crois que tu voulais parler ça et tout de la maladie Donc voilà. On vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui partage une seule de mes vidéos. Hein. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà partagé une seule de mes vidéos. Il n'y a oui. Personne qui va me répondre comme si. D'habitude. Je l'ai fait. Oui, mais toi, mais. En fait, moi, je les partage et je te tague dessus, donc t'as même pas à les partager. Ouais, non, mais je le fais par sympathie. Bon, voilà. À plus tard!